Bon ben voilà, je viens d'atterrir en Nouvelle-Calédonie. Du coup, je suis à Nouméa et je vais voir l'auberge de jeunesse. Pour trouver un endroit déjà où dormir et puis sûrement où il y aura le wifi. Bonjour. Bonjour. Je viens voir si vous avez de quoi dormir. Je viens d'arriver sur le caillou et du coup je cherche un hébergement. Eh bien, bienvenue. Ouais, merci. Je peux te proposer soit des lits en dortoir, soit une chambre single. Ok, super. Et lits en dortoir, allez. Et je voulais savoir, il y a du wifi ici? Tout à fait, du wifi gratuit. Gratuit, ok. D'ailleurs, je te donne le code. Nickel. Et là, pour combien de temps? Eh ben, je sais pas, je vais voir. Là, déjà, je me pose, mais on m'a parlé beaucoup en bien de la Calédonie, donc voilà. Tu aurais des trucs à me conseiller, toi, sur à faire ici ou Sur Nouméa, il y a quelques sites à visiter, comme éventuellement tu peux aller au Entoro, t'as l'aquarium qui est sympa, okay. Le centre culturel d'Ibaou. Okay. Après, en centre-ville, t'as la place des Cocotiers, tout autour t'as plein de petits commerces et tout, où tu pourrais éventuellement acheter des souvenirs avant de partir. Ça marche. Après, la plage qui est assez intéressante, c'est la plage du Méridien. Ok. Ce qui est plus intéressant, c'est de partir de Nouméa et voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur. On m'a beaucoup parlé du Nord, moi aussi, de la brousse et tout. Exactement. Bon, après, il faut partir sur Nouméa, partir de quelques jours, au moins faire une semaine, quoi. Ouais. Faire le ventre. Faire le tour, ok. On m'a parlé de Yengen. Ouais. La côte est. Ok. Yengen, Tanguy. Ouais. Tio, Tuo. Bouraï, on m'a dit aussi. Bouraï, Poé aussi. Une ok. Très belle plage. Sur la côte ouest, c'est la plus jolie. Ok. Écoute, comment tu t'appelles? Jérôme. Ok, moi c'est Oriane. Merci beaucoup pour ton accueil. Et puis voilà, je continue mes aventures. Merci beaucoup Jérôme. Tata. J'ai pas pu résister à l'appel de la plage. Du coup, c'est pour ça que je suis venue me baigner devant la plage du Méridien. Il y a un chouette ponton en plus. Ça promet des sauts, une belle baignade. Chaud de toute manière, donc il n'y a pas le choix, faut y aller quoi. Comme quoi la recherche de wifi ça peut porter à de belles trouvailles aussi par ailleurs. Il y a des gens qui font du kite là-bas, ils ont l'air de trop s'amuser. Il y a des gens qui font des sauts, ils s'amusent trop. Trop bien, avec les flamboyants, le bel hôtel, oh là là, c'est vraiment trop bien.